tout au long de ta vie, la croix que je vais te remettre te rappellera l'amour de Jésus pour toi. Ne l'oublie jamais. Poser la même question. Louise, pourquoi es-tu venue? Tu veux être baptisée? Oui. Tu veux être baptisée. Donc tu veux être baptisée, nous en sommes heureux. Pour cela, tu dois apprendre à connaître et à aimer Jésus. Du temps et aussi l'aide d'autres personnes. Acceptes-tu de te préparer au baptême? Oui. C'est Dieu qui t'appelle, Louise, à devenir l'amie de Jésus, son fils. C'est pourquoi je vais te marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus. Peut également faire sur son front, sur le front de Louise. Tout au long de ta vie, cette croix te rappellera son amour. Ne l'oublie jamais. Et de Louise, vous pouvez retourner à votre place. Kevin, tu restes là. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver le Père très bon,
Regarde Kevin, qui va bientôt être baptisé. Il écoute la parole de l'Évangile, il cherche à vivre en enfant de Dieu, et il s'aperçoit que c'est difficile. S'il tombe sur le chemin, accorde-lui ta force pour se relever. Rétablis-le dans la paix. Alors, il se remettra en marche vers toi. Que Jésus, notre Sauveur, te fortifie, te donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que cette huile pénètre en toi. Par elle, que Jésus, notre Sauveur, te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père très bon, tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. Et c'est pourquoi ensemble, nous te disons maintenant merci. Kevin, tu peux retourner à ta place. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une liturgie pour les enfants de 3 ans jusqu'au CPI. Pardon pour que l'homme te craigne.
Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur, lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples,
Revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus le dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, lui dit tout bas, « Le Maître est là. » t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Au XIIIe siècle, il y a un cardinal anglais qui a eu une bonne idée. Pour qu'on puisse s'y retrouver dans les lectures bibliques, il a saccadé, il a coupé la Bible en chapitres, le livre de la Bible, il les a coupés en chapitres et en versets. Comme ça, maintenant, on s'y retrouve. On dit par exemple Saint-Luc, chapitre 2, verset 3 ou verset 4, par exemple. Celui qui a coupé les lectures en chapitres et en versets a voulu mettre en valeur une phrase de cet évangile. Pour la mettre en valeur, il en a fait le plus petit verset de la Bible, en trois mots, en grec, puisque l'origine du Nouveau Testament est du grec. En grec, c'est « Et Jésus pleura ». Pour mettre en valeur cette phrase très courte, il en a fait un verset. Il aurait très bien pu dire « Et Jésus pleura » et puis ceci, cela, cela. Il aurait fait un verset. Non. Il a voulu, de ces trois mots, faire un verset. C'est le plus petit verset de la Bible. « Jésus pleura la mort de Lazare ». Et Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure-t-il? Parce que Lazare est mort? En tout cas, c'est ce que pensent les Juifs qui sont venus donc à pleurer la mort de Lazare. Puisqu'il est dit, voyez comme il l'aimait. C'est-à-dire qu'ils pensent que Jésus pleure en raison de la mort de Lazare. Mais je pense pas, en tout cas c'est mon avis, je pense pas que ce soit la raison. Parce qu'il dit plus haut, cette maladie ne conduit pas à la mort. C'est-à-dire c'est très bien que il va lui redonner la vie. C'est très bien. Donc il pleure pas parce que Lazare est mort, c'est mon avis. Je pense qu'il pleure par compassion, voyant notamment la tristesse de Marthe et Marie, ses amies. Il pleure par compassion. Jésus s'unit aux souffrances de ceux qu'il aime. Voyant ses amis pleurer, Jésus pleura. Nous sommes tous les amis de Jésus, les frères et sœurs de Jésus. Et Jésus pleure quand nous pleurons. En sommes-nous convaincus que Jésus pleure quand nous pleurons? Nous ne sommes pas seuls. Le Christ Jésus est venu sur cette terre pour nous rejoindre. J'aimerais souligner une autre phrase très courte. Et cette phrase est une partie d'un verset. Donc, ce n'est pas le verset le plus court, puisque le seul verset le plus court, c'est
et il pleura. L'autre verset qui est intéressant, en tout cas la phrase courte aussi qui est intéressante, c'est « Lazare vient dehors ». Ce Lazare, c'est un ami de Jésus, entre parenthèses, que nous vénérons à Autun, l'ami de Jésus. Et cet ami de Jésus représente chacun d'entre nous. Et à chacun d'entre nous, Jésus dit « Viens dehors ». Et spécialement à vous qui vous préparez à recevoir le baptême. Viens dehors. Viens dehors de ton tombeau. Viens dehors de ce qui n'est pas vie en toi, de ce qui est ténèbres. Viens dehors de ce qui est repli sur toi. Sors de ton égoïsme, viens dehors. Sors de tout cela. Viens dehors pour recevoir la vie de Dieu, que vous allez recevoir d'une façon toute particulière, d'une façon plénière, à Pâques, le jour de votre baptême, la vie de Dieu. Et Jésus va en quelque sorte dire à chacun d'entre vous, viens dehors, je vais te donner la vie, une vie éternelle, une vie d'amour. Pour conclure, je vous propose peut-être cette semaine de méditer sur ces deux phrases. Donc le verset le plus court de la Bible, et Jésus pleura. C'est-à-dire, Jésus pleure avec nous. Et deuxième phrase, Lazare vient dehors. Nous sommes tous des Lazares, amis de Jésus, qui avons à sortir de notre tombeau, sortir de nos zones d'ombre. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal. Donne-leur, par ton esprit vivifiant, la foi, l'espérance et la charité, afin qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de la résurrection. Que le Seigneur soit avec vous, allez dans la paix de Christ. Grâce à Dieu. Confessons notre foi. Je crois en Dieu. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus. A été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais demander à Simon, Grégoire et à Alban de venir. On va leur remettre un cordon nouveau qui correspond à un cheminement de servant d'autel, en sachant qu'il y a simultanément à Saint-Côme et ici des renouvellements le même jour. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce.
daigne bénir ces croix et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais demander d'abord bénir, remettre à Grégoire et Simon une croix avec un cordon blanc. Pour servir l'autel en portant le calice, le pain, l'eau et le vin, en offrant le lavabo aux célébrants, les novices servant l'autel portent un cordon blanc. Grégoire, reçois ce cordon blanc, signe du service. Simon, reçois ce cordon blanc, signe du service. Pour porter les cierges, signe du Christ, lumière du monde, les cérémonières, portent un cordon bleu. Alban, reçois ce cordon bleu, signe du service d'autel. Au jeudi saint, le Seigneur Jésus a confié le sacrement de son corps et de son sang à l'Église, comme source et sommet de toute vie chrétienne. Vous êtes ici pour tenir une place particulière autour de l'ambon, lieu de la parole, de l'autel, lieu de l'Eucharistie. En aidant les prêtres et les diacres, c'est Jésus-Christ lui-même que vous servez et honorez. En tenant votre place au sanctuaire, c'est toute l'assemblée des fidèles que vous aidez à prier. Et maintenant, prions Dieu, notre Père, pour Alban, pour Grégoire, pour Simon, que le Seigneur leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis ces jeunes dans la mission, qu'ils acceptent aujourd'hui, qu'ils soient fidèles à servir à l'autel chaque dimanche, qu'ils grandissent nourris de l'Eucharistie et qu'ils édifient le peuple par leurs prières et leurs tenues, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Simon, Grégoire, Alban, mettez-vous au service maintenant du peuple de Dieu et de Jésus.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit. Accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Gloire à toi, Dieu, t'es mort.
résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Particulièrement pour Monique Thionnet, Robert Clay, Famille Genelot, Henri Pierre-Pliet. Accueillez dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Amen.
qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Encore et encore, prions le Seigneur. Fortifiés par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions, Seigneur, qui nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ce mercredi, à 20h30, dans cette église, il y aura le groupe de prière. Vous savez certainement qu'un de nos paroissiens, un de nos anciens paroissiens est devenu évêque de Nevers, le père Grégoire de Meaux, donc vicaire général de notre paroisse, qui était sous côte sur Chalon, et devenu donc évêque de Nevers. L'ordination aura lieu le 2 juin. On va certainement organiser quelque chose. Il y a les autres packs, les éternels jeunes packs, on va l'acheter. Il y a une nouvelle chapelle qui s'ouvre au cloître de la cathédrale pour pallier à la fermeture de la cathédrale. Donc il y a une nouvelle chapelle qui s'ouvre, qui va être ouverte à partir de lundi. Les jours de la semaine, et donc les messes en semaine qui avaient lieu à la cathédrale auront lieu dans cette chapelle. L'accès se fait par la place du cloître, c'est-à-dire c'est comme si on rentrait dans le cloître et c'est sur la droite. N'hésitez pas à y faire un petit tour, vous prenez pas mal. Oui. Vous avez les horaires de la semaine sainte qui sont sur VIP. N'hésitez pas à accueillir les catéchumènes, qui sont je crois 9, comme ça, 8. N'hésitez pas à les accueillir à la fin de la messe, peut-être même en dehors. Allez à la rencontre de ces futurs baptisés, allez à la rencontre. Ils font partie de notre communauté. Quelquefois, on a envie d'être entre nous. Tu vois, hier, on avait une préparation de profession de foi. Tous ceux qui étaient du Collège Saint-Dominique étaient ensemble, et puis il y avait ceux qui étaient du public qui étaient à part. Ben, public, on fait partie d'une même communauté. Ben là, c'est pareil. N'hésitez pas à sortir de l'entre-soi, en quelque sorte, et d'aller vers là, ceux que vous connaissez moins, mais notamment ces nouveaux catéchumènes. Ils font partie de notre famille. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous t'en prions, libère de ses péchés ton peuple, qui te supplie, fais que rien ne l'accable, puisqu'il mène désormais une vie de sainteté, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Page 70, numéro 100.